Chez vous, allez, c'est parti.
logiquement, nous devrions avoir les premiers qui vont retourner, qui vont venir nous rejoindre ici. Donc, si vous regardez les hauteurs, pour vous expliquer un petit peu vos paramètres, donc de l'association Autisme Pyrénées. Voilà, donc asseyez-vous sur le podium. Asseyez-vous sur le podium, asseyez-vous. Qui c'est qui est le responsable qui veut dire un petit mot? Voilà, allez. Donc, la présidente qui est là, voilà, on est ravis de vous accueillir à l'association Autisme Pyrénées. On a pu voir sur les réseaux sociaux des petites publications par rapport aux coureurs qui vous représentent, notamment Julien Courbet, Sébastien Soulan qui est là également. Donc, et Guillaume Maillet, voilà aussi, futur espoir du trait du plateau, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, je suppose que c'est un plaisir pour vous d'être parmi nous ici au milieu de tous ces coureurs. Oui, je souhaitais bien sûr les remercier tous. Ils étaient 8 au total à courir pour l'association Autisme Pyrénées. Et c'est à l'initiative de Jean-Christophe Aspé qui a couru sur le 40, voilà, hier. Et voilà, hier, il a eu l'occasion de finir aussi avec Manon, une jeune autiste de 16 ans, sur les derniers kilomètres, et elle était ravie. Voilà, donc merci à tous les coureurs d'avoir porté les couleurs d'Autisme Pyrénées. Merci. Alors, mais parlez-nous un petit peu plus de l'association. Juste de l'association, combien de bénévoles, combien de personnes qui représentent tout ça, tout ce qui tourne autour de cette association? L'association a 2 ans aujourd'hui et nous avons plus de 120 adhérents. Nous accompagnons 40 autistes de 4 à 48 ans. Et nous avons un programme d'habitat inclusif sur la ville de Lannemezan et de Bertrennes. Ce sont des appartements pour des adultes autistes et c'est pour les amener vers plus d'autonomie et vers le travail. Et bien, belle chose que vous réalisez là par le biais de cette association. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît, l'association Autisme Pyrénées, s'il vous plaît. Ils sont venus en nombre et bon nombre de coureurs qui sont venus représenter l'association. Merci à eux. Voilà. Donc, Sébastien, viens voir. Tu as dit un petit mot, on t'a pas fait parler encore. C'est l'occasion. Bon, alors, on se connaît plutôt bien. Tout à l'heure, bon, tu avais de gros objectifs sur cette course. Mais est-ce que d'un côté, la première chose, la plus importante, ce n'est pas de représenter cette association? Alors oui, évidemment, j'avais de meilleurs objectifs, on va dire, pour en termes de course. Mais ce qui m'a fait tenir, alors, dans un premier temps, c'est mes enfants, parce que voilà, c'est mes bouchous. Mais je courais aussi pour Autisme Pyrénées, et c'était impossible d'abandonner pour cette association, quoi, qui, franchement, c'est du boulot quotidien. Ils font beaucoup pour les autistes, ils font énormément de choses au quotidien. Nadège s'en occupe, voilà. Delphine aussi, et il faut savoir que c'est du boulot à plein temps, et en plus ça les rend heureux, quoi. Oui, mais surtout après vous êtes une belle vitrine, parce que vous êtes des locaux, tout le monde vous connaît un peu ici. Là je suis sûr que la moitié des personnes qui sont sur place vous connaissent, et vous le connaissez aussi, donc c'est un plaisir pour vous d'être là aussi pour ça. Alors moi ça fait la 9e fois que je fais le Grand Raid des Pyrénées, donc forcément on commence à connaître du monde, et c'est vraiment un plaisir de retrouver les gens chaque année sur cette course, quoi. C'est vraiment chouette, et là aujourd'hui de représenter Pyrénées Autisme, c'est encore mieux, quoi. Si on peut en faire parler dans les vallées d'Or et du Louron jusqu'au plateau et partout en France et bientôt jusqu'au Grand Raid des Pyrénées, le Grand Raid de la Réunion, pardon, c'est énorme. Eh bien écoutez, déjà, si moi je vais m'installer dans les Pyrénées dans quelques mois, normalement, je vais essayer, j'en ferai partie, j'essaierai de faire ici. Comme ça, vous serez aussi sur le podium avec moi. J'essaierai de faire ça si je viens dans le club. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Là, il va y avoir du monde, ouais, sur les réseaux sociaux, ça va suivre. Voilà. Donc, vous les applaudissez encore une dernière fois. Pyrénées Autisme, merci à vous en tout cas. Bravo. Bravo encore au fond du fond, bravo. Parce qu'il y a les coureurs et il y a aussi toutes les associations qui sont autour de ces coureurs. Voilà, qui sont représentées par de nombreux coureurs. Il y en a d'autres, je vais vous dire tout à l'heure. Le travail, c'est parti.
Comment ça s'est passé? L'an dernier, tu avais pris la première place, une magnifique victoire. Cette année, une heure de plus. Donc, ça a dû être costaud au niveau de la chaleur, je pense, aujourd'hui. Donc, il a fait le jour précédent. Alors, déjà, je pense que le parcours est plus dur. Vraiment. La partie entre bus et la roue teneur, c'est affreux. Oui, donc, c'est sur la première partie de course, non? C'est ça, je crois. Non, sur les derniers kilomètres, enfin pas les derniers, mais bon.
là où t'es un peu cramé en plus, donc... Mais bon, je suis content parce que j'ai tout donné, et puis bon, avec le plateau qu'il y avait, c'était... Je suis content de ma quatrième place. Ah oui, cette année, c'est une quatrième place qui vaut des premières places, hein, cette année, avec le monde qu'on avait devant. Exactement, donc de toute façon, je ne pouvais pas aller plus vite. J'ai eu des coups de moins bien, des coups de mieux. C'est comme ça, le travail. Ah ben oui, mais de toute façon, on connaît, c'est surtout l'ultra-trail qui est comme ça, parce que voilà, c'est les courses où ils peuvent tous passer. Exactement. Voilà, mais donc, toi, ça fait plaisir, on te retrouvera, du coup, tu peux nous parler un petit peu de ta course, du Pacte des Loups, un magnifique trail du côté d'Espérance. Avant ça, je vais remercier tout le monde, quand même. La famille, les amis, et tout le monde, les bénévoles, hein. C'est génial. Oui, parce que toi, en plus, t'as un sacré fan club, là. Il y a du monde. Hein. Ouais, et oui, et c'est, soit ça donne un petit peu d'émotion à l'arrivée. Moi, j'ai aussi une famille qui suit derrière, c'est pareil. Donc c'est quelque chose, en fait, qui ne s'explique pas. C'est un moment de partage, tout simplement. Exactement, puis là, j'en ai chiant. Donc... Heureusement qu'ils sont là, d'ailleurs. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, et je vois que tu as eu quelques petits noms, tu t'es pas écorché les doigts, tout ça, t'es tombé un petit peu, non? Non, je suis pas tombé, ouais. C'est, tu t'accroches aux arbres, c'est ça? On essaie de se rattraper comme on peut. Voilà, c'est ça. Bon, et bien écoute, bon, du coup, maintenant que tu as remercié tout le monde, le Pacte des Loups, c'est le 21 septembre, je crois, c'est ça. 22.